leader de Liga, et en position idéale pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid se destine encore vers une saison couronnée de trophées. Au cœur de ce succès se trouve notamment la capacité de Carlo Ancelotti à tirer le meilleur parti d'un effectif gravement affecté par les blessures. Pour autant, le tacticien italien doit également gérer plusieurs situations délicates avec certains de ses joueurs. Si Luka Modric semble promis à un départ en fin de contrat, la tension continue de monter entre Ancelotti et la star Arda Güler, mécontent de son temps de jeu. Par ailleurs, la relation entre l'Italien et Nathio Fernandez est également tendue, selon The Athletic. Malgré un temps de jeu retrouvé avec les blessures d'Eddy Militao, de David Alaba et plus récemment d'Antonio Rudiger, l'Espagnol ne s'estime pas totalement intégré au plan de l'ancien coach du PSG. Un contexte qui pourrait d'ailleurs le pousser à quitter la Casablanca, lui qui voit son contrat courir jusqu'en juin prochain. En attendant l'arrivée de Kylian Mbappé, Ancelotti va, quoi qu'il en soit, devoir gérer plusieurs dossiers chauds. Ce jeudi, Paul Pogba a appris qu'il avait écopé d'une suspension de 4 ans pour dopage. Une sanction face à laquelle vient de réagir le sélectionneur national. C'est la grosse information de ce jeudi 29 février 2024. Après plusieurs mois d'attente et de suspension préventive, Paul Pogba, 30 ans, a écopé d'une suspension de 4 ans par la justice italienne pour avoir enfreint les articles 2.1 et 2.2 du Codi Sportivo Antidoping d'Inado Italia. Quelques instants plus tard, le milieu de la Juventus a réagi sur son compte Instagram pour contester cette décision. Pogba compte se battre et a déjà annoncé qu'il allait faire appel devant le tribunal arbitral du sport. En tant qu'athlète professionnel, je ne ferai jamais rien pour améliorer mes performances en utilisant des substances interdites, et je n'ai jamais manqué de respect ou triché envers les autres athlètes et les supporters des équipes pour lesquelles j'ai joué ou contre lesquelles j'ai joué. En conséquence de la décision annoncée aujourd'hui, je ferai appel devant le tribunal arbitral du sport. C'est désormais au tour de Didier Deschamps de réagir. L'homme qui a donné sa première cape à Pogba en mars 2013 n'a pas oublié un joueur qui ne fréquente plus les Bleus depuis 2022. Je n'imagine pas un seul instant que Paul ait eu l'intention, la volonté de se doper. Pour bien le connaître, je sais que ce n'est pas du tout dans son état d'esprit. Maintenant, il y a les faits et ce que révèlent les deux prélèvements effectués. La présence de l'hormone illicite est incontestable. Le problème est là, et Paul va devoir mener un nouveau combat pour se défendre, devant le tribunal arbitral du sport, et convaincre les juges qu'il n'a pas pris sciemment des produits interdits, a-t-il déclaré, avant de conclure. À l'image de la peine prononcée ce jeudi par le tribunal antidopage italien, ce que Paul vit depuis plusieurs mois est extrêmement dur, et je ne peux évidemment pas rester insensible à sa peine, compte tenu de tout ce qu'il a réalisé en sélection, et des relations que nous avons nouées en équipe de France. Sa situation m'attriste, et j'espère de tout cœur qu'elle pourra s'arranger. Je veux en tout cas y croire. Pour rappel, Pogba chez les Bleus, ce sont 91 sélections, 11 buts inscrits, une finale d'Euro perdue, 2016, une Coupe du Monde, 2018, et une Ligue des Nations, 2021.